Alain Delon et Mireille d'Arc, ce caprice du couple qui avait fâché les voisins de leur somptueux hôtel particulier. Lorsqu'ils étaient en couple, Alain Delon et Mireille d'Arc ont vécu dans une sublime demeure dont les travaux qui n'ont pas fait l'unanimité. Alain Delon est décédé ce dimanche 18 août. Les enfants d'Alain Delon ont annoncé le décès de leur père dans un communiqué commun. Anouchka, Anthony et Alain Fabien ont révélé que l'acteur de 88 ans s'était éteint chez lui à Douchy, entouré de ses proches et de son chien, Laubo. Au cours de sa vie, Alain Delon a connu plusieurs femmes. Mireille d'Arc a partagé la vie d'Alain Delon de 1968 à 1983. Ensemble, ils ont vécu à l'hôtel particulier de Boisgelin, Aix-en-Provence, classé au titre de monument historique en 1964, fait de pierre dans les tons jaunes orangés comme précisent nos confrères de la Provence. Si le couple est rapidement tombé sous le charme de la maison, elle ne disposait pas de piscine. La piscine a suscité une vive polémique. Les deux stars se sont donc lancées dans la création d'une piscine. Mais ce projet n'a pas séduit tous les habitants du quartier. Et pour cause, la comédienne était à l'origine d'un désagrément. En effet, elle adorait s'y baigner, parfois nue. La vue de Mireille d'Arc nue au bord de la piscine offensait les bonnes mœurs, a expliqué Pierre, membre de l'association ARPA. Une main courante avait alors été déposée contre la comédienne. Dans sa biographie « Tant que mon cœur battra » en 2005, Mireille d'Arc s'était confiée sur leur coup de cœur pour ce lieu. Nous avons découvert cette ville grâce à Georges Baume, l'agent et ami d'Alain, qui y habite. Alain joue alors à Marseille, a-t-elle expliqué. Le sublime appartement d'Alain Delon et Mireille d'Arc. L'appartement que les amoureux louaient au rez-de-chaussée était particulièrement séduisant. Celui-ci fait un peu plus de 300 mètres carrés, il y a un petit détail avec le jardin, siestique où Alain Delon y a fait construire une petite porte de l'autre côté qui donne directement sur la rue Frédéric Mistral. Cela lui permettait de se rendre discrètement au café des deux garçons où il avait ses habitudes, a révélé un voisin, toujours à la Provence. Alain Delon a fini par quitter Mireille d'Arc. Cette dernière s'est alors réfugiée chez l'actrice Nicole Calfan, quand Alain l'a quittée pour Anne Pario, elle est venue se réfugier chez moi. Elle souffrait tellement que j'avais écrit à Alain une lettre de 7 pages, au risque de me fâcher avec lui. Il ne m'en a jamais parlé ni tenu rigueur, a-t-elle confié dans les colonnes du Parisien.